c'est les exercices que vous devez mettre en priorité dans votre révision avant de réviser tout le reste. On va commencer par le cours numéro 7. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ah. Alors, ce n'est pas parce que je vous ai envoyé la solution d'un exercice que cet exercice ne peut pas figurer à l'examen. C'est possible. On peut reprendre la solution et y effectuer des modifications, en donner certaines explications, etc. Donc, vous avez les vidéos, vous avez les cours, etc. Bon, enfin, pendant l'examen, pendant les jours de votre examen, vous aurez accès, bien sûr, à Internet, etc. Aux documents, slides, aux tutos, bon, bref, tout. Et je laisserai bien sûr les vidéos sur YouTube jusqu'à la fin du semestre. Alors, l'exercice, cet exercice, on l'a déjà vu. Je vous ai déjà envoyé une capsule avec une solution. Alors, il s'agissait de construire un dictionnaire. Et au compte clé, la chaîne de caractères arbre et sa valeur, un dictionnaire. Et au compte clé, feuille et sa valeur, la liste 3, 5, 2. Et une clé AR, etc. jusqu'à la fin. Donc, en gros, vous avez un dictionnaire de dictionnaires. Vous avez à l'intérieur des listes. Donc, la liste 352, la liste 9982, la liste 99982. L'objectif de l'étudiant dans cet exercice, du développeur, de l'informaticien, c'est d'afficher tout le contenu de cette structure de données. Alors, déjà, bon, j'ai pas reçu les solutions de tous les étudiants, mais ça, c'est général, hein. C'est par rapport à tous les chapitres. Alors, je ne sais pas si vous n'aimez pas les exercices ou si vous n'avez pas le temps ou si c'est un problème de planning ou un problème de... Mais sachez que les exercices que je vous donne, notés ou pas notés, là n'est pas la question, je les conçois afin que vous puissiez les faire et ça vous permet de savoir à un instant T si vous avez assimilé ou pas le contenu du cours. La série à la fin de chaque cours. Alors, en général, je ne donne pas 35 exercices, hein. Moi, je suis plus pour la qualité et pas pour la quantité. Moi, je peux vous donner une série avec 12, 15 exercices. Et le plus important, c'est de donner des exercices qui vont cibler des points précis. Un exercice pareil va capitaliser, va englober, va recouvrir pas mal de notions vues dans le cours 7 et même dans les anciens cours, enfin les cours précédents. Puisqu'il y a cette notion de capitalisation de connaissances. Vous savez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans les cours, dans les chapitres, ça ne veut pas dire qu'on a oublié tout ce qui vient avant. Chaque cours récupère tout ce qu'on a vu avant et ajoute de nouvelles notions. Et je dis toujours que la meilleure révision pour un étudiant, c'est de faire les exercices et de voir que par rapport au corrigé, il peut se rapprocher du corrigé, il peut faire comme le corrigé, il peut faire mieux que le corrigé. Il y a autant de solutions que d'étudiants, que de développeurs. D'accord? Bon. Donc cet exercice, fallait afficher toute la structure de données. Alors cet exercice très important, faudra le revoir à la maison chez vous. J'ai reçu quelques solutions. Il y avait un petit souci qui est le suivant. Dans les solutions que j'ai reçues, on avait l'affichage de tout le contenu. Donc je vous ai déjà envoyé une solution. Vous vous rappelez, je crois qu'il y avait trois boucles foires. Pour garder la capsule vidéo du corrigé de l'exercice du cours 7. Et le problème, c'est qu'on n'affichait pas dans ces solutions, enfin, les solutions que j'ai reçues, il n'y avait pas l'affichage des éléments individuels des trois listes. C'est-à-dire qu'on arrivait à afficher donc arbre, feuille, AR, feu. On arrivait à afficher le dictionnaire en entrée. Donc il y a un dictionnaire à chaque fois, un sous-dictionnaire. Il y a un sous-dictionnaire. On arrivait à afficher également les sous-clés indépendamment, donc AR, feu et arbre. Il y avait également l'affichage de la liste en entier, donc la liste en entier 352, 99.82 et 999.82. Mais il n'y avait pas d'affichage individuel des éléments de chaque liste, c'est-à-dire 3 tout seul, 5 tout seul, 2 tout seul, et ainsi de suite. Donc, dans ce genre d'exercice, quand on demande d'afficher tout le contenu, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur du dictionnaire et d'essayer de
d'afficher tout le contenu. Donc cet exercice est très important. Il faut revoir la solution que je vous ai envoyée. Il faut réviser les dictionnaires. Bon, c'est relativement simple, hein. Vous avez les dictionaries. Donc ces structures de données que vous avez dans pratiquement tous les langages, hein. Vous l'avez en Java, vous l'avez en Perl. C'est tout simplement, c'est une sorte de deux listes, de deux vecteurs. Le premier contenant des clés et le second des valeurs. D'accord. Alors je vais vous poser la question, est-ce que vous avez fait cet exercice? Je la pose à tout le monde, pas uniquement à la déléguée de la section A. Est-ce que vous avez essayé de... Bon, je vais remettre le chat parce que peut-être qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à parler, enfin qui n'ont pas la possibilité de... qui préfèrent écrire. Donc, est-ce que vous avez essayé de faire cet exercice qui est important, très important pour l'évaluation? Je vous écoute, je vous lis. Est-ce que vous avez éprouvé une difficulté à le faire? Alors pour le faire, c'est très simple. Vous avez vu dans le cours, je vous ai donné des exemples à la fin de ce chapitre, dans les slides, des exemples d'un programme qui parcourait, qui lisait un dictionnaire de dictionnaire, mais là vous aviez des entiers, si vous vous rappelez bien, il y avait 15, 20, 30, 40, 70, etc. Et je vous montrais les différentes syntaxes pour afficher les clés et les valeurs. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez la clé principale du dictionnaire. Donc en fait, quand vous avez un dictionnaire de dictionnaire, c'est comme une maison. Tout est imbriqué. Vous avez un dictionnaire principal, ensuite vous avez un ou des dictionnaires secondaires à l'intérieur. Donc vous avez les différentes syntaxes pour afficher les clés et les valeurs. Vous pouvez utiliser la méthode get, vous pouvez utiliser les crochets directement, donc ça c'est une syntaxe relativement classique. Et le but de l'exercice, c'est bien sûr, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez plusieurs niveaux dans un dictionnaire, vous aurez plusieurs boucles for. Donc ça c'est le raisonnement classique, standard. Donc plus vous ajoutez des sous-niveaux dans votre dictionnaire, et plus vous allez être obligé d'ajouter des boucles for internes. Donc vous aurez une imbrication de boucles. Une boucle dans une boucle, dans une boucle, dans une boucle. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est bien sûr, vous avez une boucle principale. La condition de la boucle principale, d'accord? Vous allez la réutiliser dans la boucle qui suit, dans la partie clé, et ensuite vous allez écrire une nouvelle condition. Et ensuite, la nouvelle condition, la condition B, vous allez la réutiliser dans la boucle imbriquée numéro 3, qui va reprendre donc cette condition de la B dans la clé de la C, de la boucle C, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une simple, c'est un peu comme les matrices. Hein. Est-ce que vous avez fait les matrices en première année en algorithmique? Voilà, donc c'est exactement le même principe. Si vous avez une structure imbriquée, donc multidimensionnelle, vous n'avez qu'à imbriquer des boucles. Et à chaque fois que vous ajoutez, on appelle ça un nested loops, ça veut dire boucle imbriquée, vous ajoutez des boucles et au fur et à mesure, vous rentrez à l'intérieur. Il faut faire des tests. Il faut surtout aussi reprendre la solution que je vous ai envoyée dans la vidéo du corrigé de cet exercice du cours 7. Donc, vous l'avez, hein, vous l'avez sur YouTube. Donc, vous reprenez cette solution. J'espère que vous l'avez reprise. Reprendre, ça veut dire quoi? Vous réécrivez le script chez vous. Donc, c'est un petit script. Hein. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez tester cette solution et modifier cette solution, ajouter des lignes pour voir un peu comment ça marche. Une fois que vous savez comment ça marche, vous pouvez générer d'autres versions de cette solution. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Moi, en fait, vous savez, quand j'étais étudiant, donc j'avais mes enseignants, on faisait de la programmation, on nous envoyait des corrigés à chaque fois. Soit sous forme de slide, ou bien si c'était en. Bon, à l'époque, on avait aussi le présentiel. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Donc, ce qu'on faisait, c'est que, bon, pour ma part, je rentrais à la maison, je reprenais la solution de l'enseignant ou de l'enseignante, je la relançais, je la réexécutais. Ensuite, je la modifiais, et à la fin, j'essayais de fabriquer ma solution en partant de la solution de l'enseignant, comme une sorte de point de départ. Et. Parfois, dans les premiers essais, les premières tentatives, j'obtenais une solution plus longue, plus complexe. D'accord? Ensuite, au fur et à mesure, je faisais une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième solution, si c'était possible, ça dépend de l'exercice, et de données traitées par l'exercice. Et au final,
J'essayais toujours de faire une solution plus simple, plus compacte, plus optimisée, avec moins de structures de contrôle, moins d'instructions conditionnelles, moins de variables, moins d'initiation, moins de déclarations, etc., que la solution que l'enseignant nous donnait. Moi, c'est comme ça que, pour ma part, c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. Je prends la solution et j'essaie de la rendre meilleure. C'est la meilleure façon d'apprendre un langage de programmation et les problématiques liées à ce langage, les problématiques liées. Et ce que je faisais aussi, c'est que je traduisais les solutions que j'avais créées moi-même ou celles de mes enseignants, je les traduisais dans d'autres langages. Par exemple, ce que vous pouvez faire, étant donné que vous avez du Java, vous faites du Java en PO et vous faites du C en algorithmique, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre tous les scripts qu'on a vus durant ce semestre et d'essayer de les reprogrammer en Java et en C. Ça va vous servir à voir que quand vous faites la transition d'un langage à un autre, il y a des différences syntaxiques, il y a de nouvelles contraintes, parfois le passage est plus simple et parfois il est plus difficile. D'accord? Bon, moi j'ai constaté quand on passait de Java et de Perl vers Python, les choses étaient beaucoup plus simples. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Il faut vraiment revoir la solution que je vous ai donnée et il faut la revoir sous tous les angles. Il faut vraiment la déconstruire, la reconstruire et essayer de faire différemment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, je vous dis, voilà la solution d'un exercice, mais voilà les solutions de cet exercice. C'est-à-dire que j'essaie toujours de vous donner plusieurs solutions à un seul exercice, pour vous montrer qu'on peut aborder la chose de différentes manières. Vous savez, l'examen que vous allez faire avec moi, c'est des exercices, c'est des programmes, c'est des questions sur ces codes. C'est des questions sur ces raisonnements. Donc, si vous avez compris les exercices, si vous avez compris les énoncés, si vous avez compris surtout ceux qu'on va aborder aujourd'hui, si vous avez compris ces énoncés, si vous avez compris l'esprit de ces exercices, ce qu'il y a derrière cet exercice, ce qui est caché, et si vous avez compris les solutions que je vous ai envoyées, ben, votre examen, vous l'aborderez de la manière la plus optimale. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier exo. Le deuxième exercice sur lequel vous devez vraiment vous concentrer, encore une fois, vous n'oubliez pas de réviser tout le reste. Alors, c'est cet exercice de fichier verbe.txt. Bon. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez essayé de faire l'exercice qui prend en entrée verbe.txt et qui génère en sortie un fichier qui s'appelle res.xml. Je vous écoute. Je veux juste voir. Il y a peut-être des exercices qui ont fait les étudiants, pardon, qui ont fait l'exercice, mais qui n'ont pas souhaité m'envoyer leur solution. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire cet exo? Je vous écoute. D'abord, la révision, c'est dans les deux sens, hein, c'est pas dans un sens, dans un seul sens, pardon. Je vous écoute, la déléguée, Monsieur Barot, Mademoiselle Dina, Monsieur Segan, Mademoiselle Yala. Ou là, est-ce que vous n'avez pas pu faire parce que, à cause de la surcharge du semestre, des devoirs, etc. Vous n'avez pas essayé de le faire? Bon. Manque de temps. Bon. J'imagine. Je peux le comprendre. Tout à fait. Voilà. Moi, j'aime la sincérité. Parfait. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on dit souvent que lorsqu'on comprend l'énoncé d'une question, ça c'est valable même pour le baccalauréat, etc., on a en tête la moitié de la solution. Vous connaissez le dicton en langue arabe. Alors, est-ce que vous arrivez, je veux un retour audio, est-ce que vous arrivez à voir l'énoncé? Parce que vous allez suivre avec moi sur les slides. Oui. Super. Alors, cet exercice. Je sais que peut-être que lorsque vous avez lu l'énoncé de cet exercice, ça vous a peut-être paru un peu difficile, peut-être un peu difficile à appréhender, etc. Bon, c'est très simple. Lorsqu'on a un exercice comme ça, ou tout autre exercice, tout autre module, ce qu'on doit faire, c'est décomposer le problème en sous-problèmes. Alors, on dit, je vais tout vous réexpliquer, bien sûr. Et on va voir un petit exemple et je vais vous poser des questions. Vous allez voir que vous allez me donner
des réponses sur comment faire l'exercice, sur l'algorithme qui est derrière. Une fois que vous avez ce genre de réponses, vous pouvez coder ça en 5-6 minutes, dans n'importe quel langage. Alors, il s'agit d'un script qui va prendre en entrée le fichier qui s'appelle verbe.txt. Vous avez reçu le fichier verbe.txt, on est d'accord? Est-ce que vous l'avez reçu? Très bien. Alors, ce dernier est un fichier TSV. Alors, les fichiers TSV, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous avez pas que les TSV, vous avez aussi les CSV. Alors, c'est quoi les CSV et les TSV en informatique? On va commencer par les CSV. Les CSV, c'est des fichiers où vous avez des colonnes d'informations, alors des entiers, des mots, des chaînes de caractères, etc. Et l'élément qui va séparer la colonne A de la colonne B et la colonne B de la colonne C, ce sera une virgule. Parfois, on utilise aussi un point-virgule. Pour les TSV, le caractère de séparation des colonnes sera la tabulation. Donc, c'est une tabulation. OK? Vous avez une tabulation. Alors, on va regarder rapidement le fichier verbe.txt. Donc, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, ici, dans le slide numéro 25, je vous demande de passer de ce fichier pour générer ce fichier. Donc, on passe de ça à ça. Bon, on va commencer par la partie gauche. Donc, s'il y a le moindre problème, vous me dites, hein, si vous n'arrivez plus à regarder le partage, vous me signalez immédiatement. Donc, on a la première colonne. Ensuite, ici, vous avez une tabulation. Alors, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée. Ensuite, vous avez ici une deuxième colonne. Ensuite, là, vous avez une tabulation. Ensuite, troisième tabulation, quatrième tabulation et la dernière colonne. Tout à fait en haut, vous avez deux lignes. La première ligne commence par un dièse et vous avez des tirets ici, du 6. La deuxième ligne commence également par un dièse. Vous avez une première information, une tabulation. Une deuxième information, une tabulation. Une troisième information, une tabulation. Quatrième tabulation, cinquième tabulation et sixième information. D'accord? Donc là, excusez-moi, là vous avez la même étiquette. Hein. Bab al-Tasrif, il s'agit ici de la troisième colonne. Donc ça représente une colonne. T, ça représente une colonne, c'est la transitivité. ID, c'est une colonne, c'est l'identifiant. Al-Jidr, c'est une colonne, c'est donc la racine. Et le verbe, fi'al, c'est la première colonne. Alors, il faut savoir que en langue arabe, et je pense que vous le savez déjà, que vous connaissez très bien cette langue, vous l'avez étudiée plusieurs années, vous avez des verbes, vous avez des racines, vous avez ce qu'on appelle le mode de conjugaison. Bon, en arabe, on a à peu près quatre modes de conjugaison, qu'on appelle bab tasrif ou bab saf. Alors, ce n'est pas la peine de faire un cours de syntaxe et de grammaire arabe ici, mais seulement de savoir que les valeurs peuvent aller de 1 à 4. 1, 2, 3 et 4. La quatrième colonne, c'est ce qu'on appelle T, ou ici, transitivité. Alors, c'est quoi la transitivité? Vous savez que dans les langues, comme le français ou l'arabe, vous avez cette notion de transitivité. Alors, c'est quoi un verbe transitif? C'est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet. C'est-à-dire que dans la phrase, le verbe va déclencher syntaxiquement un complément d'objet. D'accord? Les verbes intransitifs, c'est les verbes qui n'ont pas besoin de complément d'objet. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans la phrase sans complément d'objet. D'accord? Et vous avez une troisième catégorie de verbes dans les langues qui peuvent avoir en fonction du contexte un objet ou pas d'objet, c'est-à-dire qu'ils peuvent être transitifs ou intransitifs. Tout dépendra du contexte. D'accord? Donc ici, vous avez la quatrième colonne qui peut avoir la valeur mim, vous pouvez avoir la valeur kaf et vous pouvez avoir la valeur lam. Donc la chaîne de caractères ici, mim, kaf ou lam. Donc si on revient en arrière d'un slide, si on revient en arrière d'un slide, donc je vais revenir en arrière. On explique, à un moment donné de l'énoncé, que le mim dans la source va devenir un t dans la cible
que le lin dans la source va devenir un i dans le fichier de résultat final et que le kerf dans le fichier source va devenir it. C'est-à-dire que vous allez déduire cette information à partir de cette colonne. D'accord? Donc, on va revenir un petit peu sur le fichier source. Vous avez dans la première colonne les verbes. Vous avez ensuite les racines. D'accord? Et vous avez le mode de conjugaison et la transitivité. Ce que je vous demande, c'est de convertir ce format pour obtenir en sortie ce format. Alors, je sais, vous allez me dire, monsieur, nous, on ne connaît pas le format XML, c'est quoi le fichier, c'est quoi l'extension .xml. En fait, c'est très simple. Ce sont des balises. D'accord? Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Donc, ce sont des balises. Vous avez toujours une ouverture et une fermeture. Regardez ici. Verbe avec S, il s'ouvre ici et se ferme juste à la fin. Vous avez ensuite ici, verbe sans S, il s'ouvre ici et se ferme ici. Là, vous avez info, on appelle ça des balises auto-fermantes, c'est-à-dire qu'elles vont se fermer ici. Et en fait, ce format XML, il faut savoir que c'est un format qui permet de structurer l'information. D'accord? De structurer l'information. Il faut savoir aussi que vous pouvez obtenir ce résultat sans ces balises. D'accord? Et sans ce qu'on appelle des attributs. Alors, ce que j'entends par structuration de l'information, c'est tout simplement de générer. Alors, je vais poser la question, à votre avis, comment génère-t-on ici cette ligne dans le fichier cible? C'est-à-dire la ligne qui va contenir cette information, donc cette chaîne de caractères. Comment allez-vous la générer? Je vous écoute. Donc, si je vous demandais de faire un script qui génère ça, qui génère un fichier en sortie qui s'appelle test.xml, c'est-à-dire que, alors, déjà, comment vous allez faire pour générer la sortie, donc le fichier physique avec l'extension .xml, et comment vous allez générer le contenu de ce fichier, c'est-à-dire cette information. Donc, juste la première ligne, uniquement la première ligne. Alors, comment vous allez procéder? Comment allez-vous procéder? Je vous écoute. Exactement, mademoiselle. On ouvre le fichier en mode W, c'est-à-dire mode write. Et qu'est-ce que vous allez mettre comme nom de fichier? Vous allez écrire sur. Voilà, toto.xml, hein, ou test.xml, .xml. XML, c'est une extension, hein, qui met .txt, qui met .java, qui met .c, qui met .py. C'est juste une extension, c'est rien du tout. C'est vraiment strictement rien. C'est un peu comme le format HTML. Vous connaissez le format HTML. Le format HTML, le format web avec lequel on fait des pages web. Voilà, le format HTML. Actuellement, on est à la version 5 de l'HTML. Je pense que vous connaissez un petit peu le format HTML, hein. Bon, bref. Donc, et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce script pour générer uniquement la première ligne du fichier qui est sous vos yeux ici sur le partage d'écran Webex? Qu'est-ce que vous allez écrire comme instruction dans ce code Python? Je vous écoute. Vous ou un d'autres étudiants, hein, vous pouvez tous participer. Allez-y. Je vous écoute. Et bon, là, vous avez ouvert, pardon, la sortie en écriture, ça, le fichier en écriture. Mais après, comment on va générer à l'intérieur du fichier de sortie qui s'appelle test.xml la ligne verbe avec S entre chevrons? Uniquement ça. Comment vous allez faire? Quelle instruction allez-vous mettre juste après l'ouverture en écriture du fichier? Alors, comment on fait pour écrire quelque chose? D'accord, donc vous allez utiliser la méthode write. Donc, vous allez vous.
Bon, supposons que vous n'ayez pas la chaîne dans une variable. Vous voulez directement écrire dans le fichier test.xml la chaîne de caractères. Donc, vous allez récupérer la variable qui contient le fichier en écriture. Mettons qu'on l'a appelé var. D'accord? Et ensuite, vous allez faire var. Quelle est la méthode qui permet d'écrire sur un fichier? Vous avez vu ça dans le cours 4. Comment s'appelle la méthode qui permet d'écrire? Donc vous avez les méthodes pour lire, readline, readlines. Et quelle est la méthode pour écrire sur un fichier? Write and write Ah, donc vous utilisez par exemple write. Et entre parenthèses, que vous allez faire? J'ouvre mes doubles guillemets. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Le chevron ouvrant, vous savez ce que c'est le chevron ouvrant, hein? C'est le strictement inférieur A, V majuscule, E-R-B-E-S, chevron fermant, double guillemets. Pourquoi je vous demande ce genre de choses? Juste pour comprendre que tout ce qui est ici en bleu et en rouge, vous allez le faire avec des simples impressions, des simples écritures. Parce que vous savez que en programmation, vous avez des API, des librairies, des modules qui vous permettent de générer ce genre de choses en utilisant des objets, des classes, des objets, des interfaces. Mais là, on va générer des chaînes de caractères. On va générer des chaînes. C'est-à-dire qu'on va écrire ici verbe tout seul. Ensuite, alors, je vous pose la question. Ici, vous allez écrire donc verbe. Combien de fois on écrit ici cette ligne dans le fichier de sortie? On va descendre tout à fait en bas. Tout à fait en bas. Combien de fois on écrit la ligne 28 ici? Bravo. Ensuite, ici. Combien de fois on écrit ici verbe ouvrant, verbe fermant? Verbe ouvrant, verbe fermant. Autant de fois que... Exactement. Bravo. Attention. Quand vous dites le nombre de verbes, le fichier sur sa gauche. Vous voulez parler de la première ou la deuxième colonne? Et la colonne, elle s'appelle quoi? Attention à la dénomination, à la désignation. Ce n'est pas les verbes, c'est les racines. Faites gaffe. Ouais. Voilà. Donc, pour les distinguer, les racines n'ont pas de vocalisation. Il n'y a pas de voyelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fil-jidr, qu'on appelle aussi l'asl en arabe, il n'y a pas de voyelle. Pourquoi? Parce qu'on considère en langue arabe qu'une racine est abstraite. C'est un concept. Il ne peut pas être vocalisé, verbalisé dans une phrase. En réalité, vous dites alif, ba, alif, alif, ba, ba, alif, ba, fa. Certes, vous avez les lettres qui sont collées pour le besoin de l'exercice, mais c'est un concept. Si vous prenez un dictionnaire arabe-arabe, vous allez voir que les verbes ne sont pas classés par ordre alphabétique en langue arabe, mais les mots des dictionnaires arabes-arabes, vous avez par exemple Al-Wasit, vont être classés selon l'ordre d'apparition des racines, selon les racines. Donc il faut faire très gaffe entre les dictionnaires français-français et les dictionnaires arabes. Donc, votre camarade a vu juste, on va ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Ici, verbe sans S et verbe sans S, le slash à gauche. Donc ça, c'est l'ouverture, ça, c'est le fermage. Autant de fois qu'on aura de racines. D'accord? Vous avez compris ici que j'ai pris un échantillon à gauche du fichier que je vous ai envoyé qui s'appelle verbe.txt. Le fichier que je vous ai envoyé contient plusieurs dizaines, voire plus, plusieurs centaines de verbes. Ici, j'ai juste pris un tout petit échantillon. Alors, vous avez environ 3, 6, 9, 12, 14. Vous avez ici 14, 14 racines. Ici, vous avez plutôt 14 verbes. Et vous avez l'équivalent ici, la racine, le mode, etc. Donc là, vous avez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et ainsi de suite jusqu'en bas. D'accord? Alors, par contre, qu'est-ce que vous remarquez ici? Pourquoi? On a ici moins de verbes sans S, ici, que de l'élément ici racine. Qu'est-ce qui s'est passé en passant de ça à ça? Vous avez marqué ici, on n'a pas 14, on a 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 6.
Pourquoi là on a 6? Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'exercice. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Comment on fait? Quel est le but de l'exercice? Exactement. 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 Donc là, on a évité la répétition. Vous avez évité la redondance. Ici, il n'y a pas de répétition, donc on va placer 1, 2, 3, 4 éléments ici. D'accord? 1, 2, 3, 4 informations, 4 données. Si l'information ici se répète, ici, l'information, regardez, la racine 1, 2, le verbe est différent, le mode est différent, la transitivité est la même, l'identifiant, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une seule fois la racine, on place les deux modes, puisqu'il y a deux verbes différents, on place les deux transitivités. On avait dit que le kev devenait ité. Pour ici, le lem, je vous explique, lem signifie la forme canonique d'un verbe. D'accord? Donc c'est la forme basique, c'est la forme que vous allez retrouver dans le dictionnaire. Okay? Le mode, vous savez ce que c'est. Le lem, c'est tout simplement la première colonne. La racine, c'est la deuxième colonne. La transitivité, c'est la quatrième colonne. Alors maintenant, je vais vous poser deux questions sur l'exercice. Première question, comment allons-nous procéder pour déjà générer T, IT et I? Qu'est-ce que vous allez utiliser avec Python? Supposons, Naya, vous avez capturé l'information dans une variable. À chaque fois, le mim, le kef, le kef, le lem. Comment vous allez passer de mim, de kef et de lem à T, IT et I? Vous le savez très bien, on a déjà vu ça en cours. C'est extrêmement simple. Alors, je vous pose la question. Non, ça c'est un encodage. Comment on va passer de mim, kef et lem à T, IT et I? Là, ce n'est pas une histoire d'encodage. Hein. C'est une histoire de technique. On va utiliser la Quoi? fonction string replace. Oui. Ou vous avez une deuxième possibilité. Ou bien, qu'est-ce que vous allez utiliser? Bon, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. On a vu ça dans le cours. Donc déjà, vous avez compris le principe. D'accord? Ensuite, comment allez, la deuxième question que je voulais vous poser, comment allez-vous passer de ça à ça? Quelle va être la structure de données utilisée? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme structure? La demoiselle a compris que le but de l'exercice était d'éviter la répétition. Est-ce que vous vous rappelez dans le cours numéro... Est-ce que vous vous rappelez de l'exercice pomme, pain, pomme, pain, pomme, orange? Vous vous rappelez de cet exercice? Est-ce que vous pouvez me réexpliquer l'énoncé de cet exercice? Qu'est-ce qu'il fallait? C'était pas vraiment un exercice, hein. C'était un exemple d'un cours. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il fallait faire? Pomme, pain, orange. Il y avait cinq chaînes de caractères. Elles étaient placées où, ces cinq chaînes de caractères? Où étaient-elles placées? Vous vous rappelez du cours? Vous vous rappelez de l'exemple? Est-ce que vous pouvez ouvrir les slides de vos cours et regarder, chercher cet exo? Enfin, ce n'est pas un exercice, ça, c'est l'exemple. Vous rappelez? Vous ne rappelez pas de l'exercice? Peut-être que vous êtes en train de m'écrire. 10h09, non, c'est pas là. Oui, mais dans cet exercice, on faisait quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec le script Python? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait quoi? C'est quoi le but de ce script? C'est quoi pomme, pain, orange? Et qu'est-ce qu'on en faisait? Elles étaient placées où? Et qu'est-ce qu'elles devenaient à la fin? Je vous écoute. Si vous répondez à cette question, vous avez compris l'exercice.
vous écoute. Monsieur, la clé تكون اسم الفروي و la valeur تكون شحال المختار تعاود. Et بصح l'exercice صح هذاك l'exercice تاع point 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 orange, je tiens à ce que vous me disiez qu'est-ce qu'on a fait dans l'exemple. On a supprimé les répétitions. Exactement, on est passé de quoi à quoi? De quelle structure à quelle structure? D'un array à un dictionnaire. Bon, plutôt d'une liste. Hein. Array, c'est plus pour le JavaScript et le PHP. Bon, on est passé d'une liste à un dictionnaire. On a utilisé un dictionnaire pour éviter les répètes. Les clés ne se répètent pas. Les fréquences, c'était quoi? Vous vous rappelez? Les fréquences, c'était le nombre de répétitions de la clé. C'est-à-dire, pommes, on avait combien de pommes? On avait 3 pommes, 2 pains et une seule orange. Donc, ici, vous avez remarqué clairement que le fichier source qui s'appelle var.txt avait pour résultat rest.xml, résultat.xml, il y avait exactement la même problématique. Vous aviez des répétitions et en sortie, pas de répétition. Donc, si vous avez compris l'exemple, je crois que c'était le cours numéro... Où est-ce qu'on avait vu Pompin Orange? Je crois que c'était... Voilà. Si vous avez bien compris l'exemple, vous ferez l'exercice var.txt sans aucune difficulté. Donc ça, c'était l'exo var.txt. Vous avez maintenant déblayé le terrain. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Hein. Si vous avez un petit moment aujourd'hui, là, après la révision, si vous avez du temps, si vous avez, vous pouvez vous organiser aujourd'hui, prenez votre PC, vous l'allumez et vous ouvrez votre éditeur, votre environnement développement intégré, et vous essayez de faire cet exercice. Et si vous avez une solution, envoyez-la moi, pardon, et s'il y a des remarques à faire, je vous dirai, je vous enverrai ces remarques, d'accord? Essayez de faire cet exercice. Alors, donc on a fini avec cet exo, et on va passer maintenant au... cours numéro 8. Vous avez un exercice que je vous ai donné qui est très très important, d'accord? Le calcul de co-occurrence. Alors la première question que je vais vous poser, avez-vous compris l'énoncé de cet exercice? Alors, je vais aller sur le chat. Avez-vous compris l'énoncé de l'exercice de calcul de co-occurrence? Avez-vous compris ce que signifie une co-occurrence? Est-ce que vous avez compris un petit peu? Est-ce que vous avez une idée sur comment le fabriquer? Fabriquer le script, construire pour obtenir le résultat demandé. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous avez compris l'exo? Est-ce que vous avez compris ce que signifient les co-occurrences? Oui ou non? C'est binaire, hein? C'est oui ou non? C'est 1 ou 0? Alors, est-ce que vous avez compris ou pas? Non, très bien. Alors, on va revenir sur l'exo, d'accord, si vous le voulez bien, bien sûr. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une co-occurrence? Une co-occurrence, ce n'est pas une occurrence. Vous savez, on a les occurrences et on a les co-occurrences. On va d'abord commencer par les occurrences. On vient de parler de l'exemple qu'on avait donné dans le cours 3. Le cours 3, pomme, pain, pomme, orange. On avait dit que les clés, c'était pomme, pain et orange. Et on avait dit que les valeurs du dictionnaire final, c'était le nombre de fois que la clé se répète dans le vecteur, dans la liste, comme a dit votre camarade, dans le array. Donc, quand le mot se répète n fois, on va parler de quoi? De fréquence. Ensuite, de fréquence d'occurrence. Combien de fois le mot apparaît dans le texte, ou là dans le vecteur, ou là dans un tableau, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'occurrence. D'accord? Vous parlez de l'exercice 8, de l'exercice de calcul de co-occurrence? Monsieur Belaïdi?
Alors, l'exercice sur les verbes.txt. Alors, l'exercice sur les verbes.txt. Premièrement, je voulais envoyer, vous ne m'avez pas envoyé de solution. Enfin, je ne sais pas pour vous, je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas vraiment reçu de solution de cet exercice. Et encore une fois, ces exercices vont figurer à l'examen. Donc, si je vous donne la solution maintenant, l'examen n'aura strictement aucun intérêt. Avez-vous compris ça? Vous pouvez parler hein, si vous avez un microphone. Voilà, donc ça va faire partie de l'examen. J'essaie de vous expliquer au maximum tous les tenants et aboutissants de cet exo. Et je pense que votre camarade, je crois que c'était Mademoiselle Yala, la déléguée, je crois que c'est elle qui parlait, eh ben, elle a dégagé l'esprit, le raisonnement, l'algorithme qui est derrière. Je pense que si vous vous appuyez sur son raisonnement, vous pourrez le faire en quelques instants. Donc, pour les occurrences, on en a parlé maintenant. Alors, concernant les co-occurrences, une co-occurrence, c'est tout simplement 1, 2, 3, c'est-à-dire N mots, qui vont apparaître ensemble dans une fenêtre contextuelle. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une suite de mots donc des mots qui apparaissent très souvent ensemble. Alors, je vous ai donné pas mal d'exemples dans le cours, mais essayez de me donner d'autres exemples pour voir un peu si vous avez compris ce que signifie une co-occurrence, c'est-à-dire que les mots vont co-occurrer, enfin, si on peut dire ça, hein, ils vont co-apparaître ensemble dans cette fenêtre. Donc, est-ce que vous avez en tête un ou deux exemples? Vous n'avez pas d'exemple en tête? Très rapide, oui. J'ai un exemple que vous utilisez, qu'on utilise fréquemment. Pommes de terre. Pommes de terre. Pommes et terre sont des mots qui apparaissent très souvent en même temps. Alors vous avez par exemple des textes qui parlent de légumes, qui parlent de produits alimentaires, qui parlent d'agronomie ou d'agriculture. D'accord? Qui parle de botanique. Donc vous allez avoir pomme et terre au même titre que train et rapide. La différence ici, c'est que vous avez la préposition de entre pomme et terre. Maintenant, si on divise avec la méthode split de Python, en utilisant l'espace, cette co-occurrence, qu'est-ce que vous allez avoir en sortie? Qui va contenir quoi dans chaque case? Éther, très bien. Est-ce qu'on va avoir le même sens ou pas? Les éléments pris individuellement. Non. Pourquoi? Pourtant, c'est les mêmes mots, on est d'accord. C'est les mêmes tokens. Vous vous rappelez, on avait parlé. Voilà. Donc voilà l'utilité de la concurrence. Parce que il y a certains. Quand je prends rapide, rapide. Adjectif qualificatif, rapide, tout seul, rapide. C'est l'adjectif rapide. Le fait d'être rapide, l'état d'être rapide, la qualification d'être rapide, c'est un état. Train, bah, c'est un train. C'est le concept de train. Une grosse machine en acier avec des roues qui peut fonctionner avec de la vapeur ou avec de l'électricité, etc. Oui, bon exemple. Mademoiselle Touati, bon exemple. Donc en fait, c'est extraordinaire parce que dans les langues, les mots parfois pris tout seuls ont une signification. Et lorsque vous allez les concaténer, comme a dit votre camarade, en utilisant ici l'espace ou l'apostrophe, on est d'accord, hein? Parfois il y a l'apostrophe. Il faudra prendre en compte également l'apostrophe. L'apostrophe peut également être insérée dans un terme. Puisqu'ici, il s'agit de termes. Pomme de terre est un terme, est une unité terminologique qui appartient à un certain domaine. D'accord? Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle une co-occurrence. Alors, on va revenir maintenant à l'exercice. L'exercice demande de prendre en entrée
le fichier texte-b.txt. Vous avez ce fichier, on est d'accord? Super. Alors, ce fichier est le premier argument passé à votre script. Alors, je vais juste revenir sur la notion d'argument. Il y a certains étudiants qui m'ont dit, monsieur, à quoi sert argv? Est-ce que vous avez déjà utilisé l'équivalent en Java qui s'appelle args? Non, monsieur, pas vrai. Bon, args en Java, argv en Python, argv en Perl et argv en langage C. Est-ce que vous avez fait argv? Est-ce que vous avez étudié l'utilisation d'argv en C en algorithmique au premier semestre? Au premier semestre de la première année, bien sûr. Bon, tous les langages possèdent, d'une manière ou d'une autre, la possibilité, vous donnent la possibilité de passer, de donner. Même si certains ont très bien compris cette notion, je préfère la donner à tout le monde qui est ici présent. Donc, il y a à un moment donné, un script, un programme, dans un langage de programmation, a besoin d'un argument, d'un paramètre pour pouvoir fonctionner. D'accord? Ici, en l'occurrence, il s'agit du fichier texte-b.txt. Le script a besoin de ce fichier pour le prendre en input, comme a dit votre camarade, et sortir en sortie un output. Vous allez me dire, mais monsieur, on a aussi le stdin, standard input. On a aussi la fonction input en Python qui a comme équivalent en JavaScript prompt et qui a à peu près l'équivalent scanf, d'accord, en C. On a ces possibilités. Alors pourquoi utiliser un tableau spécial qui s'appelle argv, qui démarre à zéro et ensuite qui va prendre en considération les arguments, les paramètres passés à un script? Eh bien, il faut savoir que parfois, on a besoin de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose sur l'invite de commande au fur et à mesure. Donc, de récupérer l'entrée standard, donc ce qu'il va saisir au clavier, l'input, le stdin. Et parfois, on a tout simplement besoin de mettre test.py, espace texte-b.txt, espace 6, espace 3, espace 8, espace 3. D'accord? Donc, on aura ici combien de paramètres? 5 paramètres. Le premier étant le fichier en entrée, en input, comme a dit votre camarade. Le deuxième, c'est 6. C'est tout simplement la longueur de la concurrence, c'est-à-dire combien de tokens cette concurrence va pouvoir avoir. D'accord? Alors, je vous pose la question. Si vous détectez avec votre script de calcul de concurrence une suite de mots qui apparaît très souvent dans votre texte, mais où il y a l'apostrophe au milieu, pas que des espaces simples, allez-vous prendre en considération, oui ou non, cette concurrence? La réponse, je vous l'ai donnée il y a quelques minutes. Est-ce que vous allez prendre en considération ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous allez... Bien sûr, il faut la prendre en considération. Il ne faut pas me dire, monsieur, nous, on prend en considération uniquement les mots qui apparaissent en même temps dans le texte et qui ont des espaces qui les séparent. Non, si vous avez des apostrophes, il faut les prendre. Vous savez, dans le domaine médical, chimique, biologique, il y a des termes techniques où vous pouvez avoir, je n'ai pas en tête un mot, mais vous pouvez avoir l'apostrophe au milieu. Alors, par exemple, je n'ai pas un exemple, mais bon, peut-être que d'ici à la fin de la séance, je sais qu'en chimie, en médecine, en pathologie médicale, vous pouvez avoir ce genre de choses. Vous pouvez avoir des termes à rallonge avec 3, 4, 5, 6, 7 tokens, d'accord? Des syntagmes nominaux extrêmement complexes, des syntagmes imbriqués, avec plusieurs prépositions, etc. Et vous pouvez avoir à un moment donné l'apostrophe. Donc, il faut prendre en compte, pardon, l'apostrophe. L'apostrophe, il faut le prendre en compte. Donc, le deuxième argument, c'est quoi? Le deuxième argument, c'est la longueur de cette concurrence. C'est-à-dire, combien de tokens, on va vous expliquer un petit peu la différence entre token et mot. Un mot en langue, c'est pomme de terre. Pomme de terre est un mot. Seulement, token, ça va être quelque chose de relativement basique, terre à terre, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on va découper pomme de terre avec espace et on va obtenir ici pomme de Ether. Pomme de Ether, c'est un token. Token, ça peut être aussi, vous savez, ça peut être aussi, bon, pas dans cet exercice, mais ça peut être une virgule, un point,
un espace, des guillemets. Donc, quand vous faites la tokenisation, c'est-à-dire la segmentation d'une phrase en token, vous pouvez considérer que vous avez besoin de la ponctuation dans votre vecteur de sortie que vous allez utiliser par la suite. Donc, il faut savoir qu'ici, dans l'exo, le minimum, c'est 2, c'est-à-dire l'exemple de direction générale, très rapide, abat-jour. Le minimum, c'est 2. On ne peut pas aller en dessous de 2. Si on descend en dessous de 2, on va avoir ce qu'on appelle Apax. En fait, c'est des mots qui apparaissent tout seuls, une seule fois, et Apax, d'accord? C'est plus par rapport à la fréquence, hein, que par rapport à sa longueur. Il y a des termes qui apparaissent une seule fois, qu'on considère comme Apax, et donc qui ont une importance dans le texte, qui ont vraiment un contenu scientifique et technique, mais qui apparaissent une seule fois. Parce que vous savez, on considère qu'un terme est un terme s'il apparaît quand même un nombre assez important de fois dans un texte. D'accord? On va comprendre que ce n'est pas un mot vide, mais c'est un mot plein qui désigne vraiment un concept d'un domaine scientifique ou technique. Une souris optique, dans un document qui parle de périphérique informatique, etc. Donc c'est la répétition qui va quand même attirer notre attention. Troisième argument, c'est la fréquence de la concurrence, qui peut aller de 1 à n. Donc on va prendre en compte les Apax ici. Donc ça peut être 1 à n nombre de fois qu'apparaît la concurrence. Alors quand je dis fréquence de la concurrence, ce n'est pas la fréquence de pommes tout seul, de deux tout seul et de terre tout seul. On est d'accord. C'est la fréquence de toute l'unité, d'accord, de tout l'ensemble. Les deux derniers arguments, c'est le premier, enfin c'est le quatrième, c'est la longueur du premier token et le dernier, c'est la longueur du dernier token. Donc là, vous avez deux exemples. Direction générale. Pour extraire direction générale, vous mettez texte BTXT 2, 4, 9, 8. Donc le 2, c'est la longueur. 2. 4, c'est la fréquence d'occurrence. Direction générale apparaît 4 fois dans le texte. 9, c'est la longueur en caractère de direction. 8, c'est la longueur en caractère de générale. Voilà pour cet exercice. Donc, il faut essayer de le faire aussi à la maison, il faut essayer de le travailler. C'est impératif, c'est un impératif. Vous utilisez les outils vus dans le cours 8 et tous les outils qu'on a vus avant. Cet exercice ne nécessite pas forcément des syntaxes ou des outils qu'on n'a jamais vus en cours ou dans les solutions que je vous ai envoyées des exercices, d'accord? Si vous revoyez toutes les capsules de tout ce que je vous ai donné comme exercice, comme solution d'exercice et comme cours, vous pouvez faire cet exercice, d'accord? Et obtenir un bon résultat. Okay? Donc là, je vous ai donné une clé pour ouvrir la première porte de l'exercice, c'est le zip et le unzip. Il faut impérativement revoir les slides du zip et du unzip et revoir un petit peu comment ça marche, d'accord? Le zip dans un sens et le unzip dans l'autre, d'accord? Donc là, comment vous, ici, comment on passe de pays qui reçoit Algérie, Mexique, Suisse, indicatif 213, 52, 41, 33, 64. Donc là, on a 5 indicatifs, là, on a 3 pays. Si on fait zip, pays, virgule, indicatif, on va obtenir un objet de type zip, et ensuite on va le placer dans liste avec le constructeur. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Ben, vous allez obtenir ici Algérie 213, Mexique 52. Suisse 41, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un élément de pays, il a pris un élément d'indicatif, il a fabriqué un tuple. Ensuite, il a pris un élément de Mexique, il a pris un élément d'indicatif dans 52, il a fabriqué ici un tuple. Il a pris Suisse, il a pris 33, pardon, il a pris 41, il a fabriqué un tuple. Ensuite, ici, 33 et 64, il n'y a pas d'équivalent puisque la première liste est plus petite que la deuxième liste. Donc, il les a laissés de côté. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle zip étoile. C'est ce qu'on appelle le unzip. Si je refais maintenant le sens, l'axe, c'est-à-dire le sens inverse, je fais zip étoile reste liste. Donc, le résultat, c'est ce qu'on a fait avant. On affecte ça à pays et indicatif puisqu'on sait qu'on aura besoin de deux listes. Puisque là, le tuple, ici, vous avez à chaque fois deux éléments, Algérie 213, Mexique 52, Suisse 41. Donc on aura besoin de deux listes ici, pays et indicatif. Vous les appelez quand vous voulez, hein, pas de problème. Et quand on va imprimer tout à fait à la fin Anna, du slide 3, vous allez avoir pays et indicatif, vous allez avoir Algérie, Mexique, Suisse, 213, 52, 41. Donc on peut aller dans un sens et dans l'autre, comme on le souhaite. Cette fonction zip,
peut vous aider, vous énormément vous aider à faire régler ce problème, résoudre ce problème et faire cet exercice. Maintenant, si vous envisagez une autre stratégie, une autre technique, en utilisant d'autres outils, libre à vous, mais moi, pourquoi je vous donne toujours des outils et ensuite des exos? C'est pour essayer de faire des exos avec ces outils. Puisque moi, enfin, je considère que la façon la plus simple, très souvent, c'est de réutiliser ce qu'on a vu en cours. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez approfondir certaines notions à travers certains tutos, etc., et refaire l'exercice et l'exercice en question. Que si vous... Hein? Il y a une voix en anglais qui vient de me dire quelque chose. Est-ce que vous l'avez entendu sur Webex? Non, monsieur. Ah, il y a mademoiselle Yala. Oui, je crois que c'est la connexion. Il y a mademoiselle Yala, la déléguée qui me dit il n'y a pas de sang. Bon, bref, rapidement, hein, vous me dites s'il n'y a plus de connexion. Aujourd'hui, on ne peut pas découper. Pourquoi? Parce que si vous découpez en jour 2, ensuite 8, vous allez briser la sémantique, le sens, la signification. L'adverbe, je pense que c'est un adverbe de temps. Donc, on n'est pas censé diviser aujourd'hui et huit. Sachant que vous êtes en L2, d'accord? Vous n'êtes pas censé générer des résultats parfaits avec un script complexe, sophistiqué, avec de l'apprentissage, etc. Donc, si vous obtenez ce genre de résultats en sortie de vos scripts, ce n'est pas grave. Donc, vous aurez peut-être quelques erreurs, d'accord? Mais le plus important, c'est que vous puissiez obtenir quand même un minimum. Ici de résultats comme par exemple vous avez ici direction générale services sociaux des chemins de fer, ce sont deux résultats que vous devez obtenir, on est d'accord. Et quand je dis vous devez obtenir avec les paramètres 2 4 9 8 et 6 3 8 3. Si vous obtenez ça avec des paramètres des entiers différents, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, d'accord. Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, normalement, ça n'est pas censé compter, mais dans le cadre de ce cours, dans le cadre de cette évaluation, dans le cadre de ce script, dans le cadre de ce palier académique, si vous avez ce genre de sortie, ce n'est pas très grave, d'accord? Il y a quand même un certain seuil de tolérance, donc il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, parfois, on obtient un bon résultat, mais on a des erreurs. Et quand on règle ces erreurs, on recule au niveau du résultat. C'est-à-dire, on va rajouter des contraintes. On va dire, voilà, moi j'ai une liste, ce qu'on appelle une blacklist, une stop word, une liste de stop word, une liste de mots interdits. C'est-à-dire que, par exemple, nard d'une liste où je dis que si le script rencontre des mots qui ont un apostrophe à l'intérieur, et moi je sais que ces mots sont des mots grammaticaux, des mots qui appartiennent à la grammaire, c'est des mots qui sont utilisés comme les adverbes, les conjonctions, les prépositions, etc. Le script ne doit pas toucher à ces mots. Le script ne doit pas les diviser. Il doit les considérer comme un tout insécable, indivisible. D'accord? Vous pouvez aussi donner à votre script une liste en entrée en disant, voilà, ces mots, tu ne les touches pas. C'est-à-dire, tu n'effectues aucun traitement dessus. C'est un peu comme les stop words en recherche d'information, où vous aurez une indexation qui va essayer d'éviter les de, les a, les le, parce que ces mots apparaissent très souvent dans un texte en français et ça ne sert à rien de faire une indexation en se basant sur ces mots. On va plutôt faire une indexation sur des mots pleins. Des mots pleins, c'est des mots qui font référence, qui désignent des concepts du monde réel ou du monde abstrait. Liberté, conscience, journalisme, voiture, souris, etc. D'accord? Donc voilà un peu pour le mot aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire l'exo liste lecture du contenu d'un répertoire? Est-ce que la réponse de mademoiselle Reske Soumia
fait référence à la question de l'exo de la lecture du contenu du répertoire ou bien est-ce que c'est par rapport au 100 SOM ou 100 sur WebEx? Je vous écoute. Je dois me connecter. Ah d'accord, ok. Donc je dois me reconnecter à ma batterie. Une seconde, parce que ma batterie va tomber en rade. Vais essayer de brancher. Je vais essayer de brancher. Voilà. Donc. Alors. Allô? Vous m'entendez? Très bien. Alors, donc, on va revenir sur le slide. Monsieur, Oui. vous pouvez revenir s'il vous plaît sur le slide précédent. Ah, bien sûr, Ada. Non. Ada. Encore? Ada. Ada. Oui, Ada. Monsieur, Allez. vous avez mis 6383. Le Oui. 8, c'est pour le nombre de caractères du mot service et le 3, t'as à faire, c'est-à-dire on prend le premier Exactement. et le dernier mot. Exactement. Exactement. Le premier token, le deuxième token, le dernier token. J'aurais pu dire mot, mais vous vous rappelez un jour, vous m'avez dit, enfin, il y a un exercice, un jeune homme qui m'a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer un mail pour le réexpliquer l'histoire de token? Le token, ça, on n'en a jamais vu. Donc, vous avez envoyé, si vous vous rappelez, enfin, vous voyez, toutes les sections, la signification de token. Donc, je vous ai donné un exemple. J'ai fait le parallèle avec la langue, entre la langue et l'informatique. Donc en langue, on parle plutôt de mots, de termes, d'unités terminologiques. Et en informatique, on va plutôt parler de tokens et de procédés de tokenisation, c'est-à-dire de segmentation. Et lorsqu'on parle de tokenisation de tokens, on ne donne pas vraiment la priorité à la sémantique, sauf si on travaille sur la sémantique. Hein. On peut travailler aussi sur la sémantique si on fait de l'informatique. En règle générale, quand on fait une tokenisation, surtout si c'est un besoin de, par exemple, d'étiquetage morphosyntaxique, d'affecter à chaque token une étiquette morphosyntaxique, c'est-à-dire que dire que à partir d'un texte en entrée, on va dire que le premier mot c'est un verbe, le deuxième c'est un sujet, le troisième c'est un complément, ou bien le premier c'est un verbe, le deuxième c'est un nom, le troisième c'est un adverbe, le quatrième c'est un adjectif, le cinquième c'est un autre verbe. Donc c'est ce qu'on appelle le POS, le Part of Speech Tagging, l'étiquetage morphosyntaxique. D'accord? Donc exactement, service premier, avant-dernier paramètre et faire, c'est le dernier paramètre, le dernier argument. Donc je vais revenir à cet exercice, l'écriture d'un script qui nous permet de lister tout le contenu du répertoire Core 8. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on va revenir sur les outils encore une fois. Vous avez compris la fonction listDir. Que fait la fonction listDir? Vous lui donnez un chemin, elle vous retourne uniquement le premier niveau, d'accord, de ce chemin. C'est-à-dire, elle va vous retourner le premier niveau, le premier étage. Avec ici, isDir, ça va vous permettre de vérifier si le path, le chemin que vous lui donnez en paramètre, est un répertoire ou pas. Donc ça retourne un booléen. Et ici, vous avez isFile. Normalement, je vous l'ai mis. Alors voilà, à la fin, remarque. Avec la méthode isFile, vous vérifiez si c'est un fichier ou pas. D'accord? Puisque vous avez deux types d'objets que vous allez manipuler, les répertoires, les dossiers, et les directories, et les files, les fichiers. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ici. Attendez une seconde. Si je vous donne par exemple un dossier, est-ce que vous avez reçu le dossier cours 8? Vous voulez envoyer de l'exercice? Très bien, vous le mettez sur le bureau s'il vous plaît maintenant. Est-ce que vous pouvez le mettre sur le desktop de votre machine? Vous le copiez, vous le mettez sur le bureau. Ok, allez-y. Lorsque c'est fait, vous me dites c'est bon, c'est fait. C'est bon? Est-ce que vous l'avez fait? C'est bon? Il est sur le bureau?
C'est bon? Très bien. Sans utiliser un langage de programmation, sans utiliser une invite de commande, sans utiliser une commande, comment allez-vous obtenir, comment vous allez-vous entrer à l'intérieur du répertoire? En utilisant bien sûr votre ordinateur. Comment allez-vous? Oui, comment rentrer à l'intérieur et parcourir, c'est-à-dire lire, rentrer, vous balader dans l'arborescence du dossier COVID. Comment allez-vous faire? Vous avez votre machine, comment? Exactement. Non, 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 on ne fait pas un clic droit. Double clic. On double-clique dessus. Il n'y a pas de clic droit, clic gauche, etc. Voilà. Donc, vous allez utiliser le double-clic. Quand vous allez utiliser double-clic, qu'est-ce qui va se passer sur la fenêtre? Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, on est d'accord. Et tout à fait en haut, qu'est-ce qu'il y a? Comment on appelle ça? Une barre d'adresse. Très bien. Le chemin, le path. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que vous allez double-cliquer dans les dossiers, sous-dossiers, sous-dossiers, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Le chemin va s'agrandir. S'agrandir. Comment il est fabriqué? Comment est-il fabriqué? De quoi est-il composé? Il est composé de certaines choses, d'éléments constitutifs basiques. C'est une matière. C'est quoi? Donnez-moi tous les éléments constitutifs de ce path, de ce chemin, qui se fabrique automatiquement au fur et à mesure que vous double-cliquez. C'est le nom des fichiers séparés par des Oui. anti-slash. Voilà, très bien. Donc en fait, à chaque fois que vous cliquez, vous avez le chemin qui se fabrique. Eh bien, figurez-vous que le programme que vous faites pour cet exercice, que vous avez peut-être fait, hein, je ne sais pas, eh bien, il fait exactement la même chose. Seulement, au lieu de le faire avec votre pavé tactile ou votre souris, vous le faites avec un script. Donc, vous êtes muni de lisdir, isfile, d'accord? Vous savez comment fonctionnent les choses avec la souris, le pavé tactile de votre PC. Vous pouvez faire l'exercice très, très, très facilement. Vous avez en tête les structures de contrôle, les instructions conditionnelles. Vous avez une base en algorithmique. Vous pouvez faire l'exercice. Vous pouvez le faire aujourd'hui aussi. D'accord? Donc voilà pour le dernier exercice sur lequel vous devez vous concentrer, sans oublier bien sûr de revoir aussi tous les autres exercices. Donc, si vous arrivez à faire ce qu'on a vu en 7 et en 8, cela va vous préparer, cela vous préparer pour l'examen, pour l'évaluation, de la manière la plus optimale. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? Certains étudiants m'ont dit qu'ils travaillaient avec l'interpréteur Python. Alors, ce n'est pas que je déconseille, je ne recommande pas. Vous savez ce que c'est l'interpréteur? Quand vous tapez Python sur l'invite de commande, noir, vous avez triple chevron, je crois, sortant ou double chevron sortant. Vous avez la version de Python et vous pouvez insérer directement le script, etc. Évitez de travailler avec cet interpréteur. Donc, ce n'est pas très pratique, surtout pour passer des paramètres, des arguments à votre programme. Il faudra déclarer, donc importer l'OS, faire un sysargv égal, entre crochets, vous avez la liste et une sorte de liste. Un vecteur, et dans le vecteur, vous aurez donc le premier élément, c'est le premier argument, c'est le deuxième, etc. D'accord? Donc, moi, je préfère que vous travailliez directement avec l'invite de commande. Alors, si vous aimez Jupyter, c'est une façon de faire du Python sur un navigateur. Si vous aimez PyCharm, si vous aimez Spider, si vous aimez ce genre d'IDE, faites. Par contre, la base de la base, les fondements, les fondations, c'est travailler avec un terminal, une invite de commande, un prompt shell, d'accord, une ligne de commande. Pourquoi? Parce que quand vous serez en entreprise, ou quand vous travaillerez sur la machine d'une autre personne, vous n'aurez pas forcément un environnement de développement intégré installé, d'accord? Et vous n'aurez peut-être même pas le Notepad++. Vous aurez peut-être juste le bloc-notes et l'invite de commande. Si vous passez l'entretien, et si on vous demande de faire quelque chose en Python, et que vous ne savez pas comment ouvrir une invite de commande, et lancer le script sur l'invite de commande directement, parce que vous avez l'habitude de charger le script sur un environnement de développement intégré comme Eclipse ou PyCharm, etc. Et ensuite d'avoir la console en dessous, et voilà.
Ça vous facilite énormément l'existence et la vie, je vous le concède. Cependant, ceci étant, néanmoins, je préfère que là, maintenant, vous essayez de travailler dans la mesure du possible en utilisant l'invite de commande. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'était pour Python. J'espère que vous avez tous pu installer Python, que vous avez tous pu régler le problème de la variable d'environnement. Il faut savoir aussi une chose, c'est que sur certaines versions des systèmes d'exploitation, notamment Windows, si vous voulez exécuter un script Python sur l'invite de commande, si vous tapez comme moi directement le nom du script.py, avec ou sans paramètre juste derrière, argument, il se peut que ça ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas en relation, je pense, avec la variable d'environnement. C'est juste par rapport au système. Par rapport à la version de Python, c'est vraiment des combinatoires diverses et variées. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est d'ajouter le mot-clé Python, donc P-Y-T-H-O-N, juste avant d'écrire le nom du script.py. Donc, à ce moment-là, si vous faites ça va fonctionner. Voilà. Donc, voilà pour Python. J'espère que vous avez apprécié ce langage. J'espère que vous avez trouvé une utilité à étudier ce langage. On a essayé de voir différentes problématiques, travaillant sur les chaînes de caractères, sur les structures de données, en regardant un petit peu des choses sur ce qu'on appelle l'analyse statistique de données textuelles, c'est-à-dire le calcul de concurrence, parce que c'est bien beau de savoir qu'on peut prendre les mots d'un texte et regarder combien va apparaître chaque mot, donc à combien de fréquences, combien de fois va apparaître chaque mot. Ça, on sait le faire, vous savez le faire. Mais le calcul de co-occurrence, on n'en parle pas souvent, donc ce serait bien aussi que vous fassiez l'exercice. Donc c'est pour ça que je vous ai donné cette partie. C'est une application qui est très intéressante. Vous pouvez le faire en Java aussi, hein, dans un autre langage. Donc, commencez d'abord par la faire en Python. Pour la lecture d'un répertoire, ça c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que très souvent, quand vous serez en entreprise, vous serez amené à non pas traiter uniquement des fichiers simples en entrée. C'est-à-dire votre directeur technique ne va pas vous envoyer par mail, sur clé USB ou via réseau interne, un fichier. Lire un fichier, c'est une chose. D'accord? Mais lire un répertoire en est une autre. Donc quand vous allez lire un répertoire et vous balader, naviguer dans l'arborescence, c'est vraiment c'est une autre dimension. Donc, en général, on travaille sur les fichiers, on étudie les fichiers, lecture, écriture, etc., lecture à la suite, mais on oublie qu'il y a aussi des répertoires qui peuvent contenir d'autres répertoires et ainsi de suite, et où chaque sous-répertoire, chaque branche de l'arborescence va contenir un fichier. Donc, moi, ce genre de script m'a beaucoup servi durant ma carrière. Puisque j'ai eu à traiter pas mal de fois des dossiers. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre une technique pour parcourir. Alors, vous allez me dire, oui, en Linux, on peut utiliser le ls-r, etc. Mais vous n'êtes pas censé utiliser uniquement Linux. Vous n'êtes pas censé utiliser uniquement des commandes sur un guide de commandes. Vous êtes censé aussi savoir maîtriser des petits programmes qui vont vous aider tout au long de votre carrière et tout au long de votre carrière d'informaticien, d'accord? Donc, vous allez pouvoir dégager un raisonnement général et vous allez pouvoir le coder en Perl, en Python, en Java. Parce que, comme je vous ai dit, la meilleure façon d'apprendre aussi les langages, c'est de traduire les exercices, les solutions, les scripts dans tous les langages possibles et imaginables et de vérifier quelles sont les limites de chaque langage. Est-ce qu'on peut faire un langage qui est très poussé au niveau chaîne de caractères, analyse de chaîne de caractères, etc. en Python, en le faisant par exemple en PHP. Sachant qu'en PHP, vous avez aussi des expressions régulières, comme en JavaScript, mais vous n'aurez pas la même facilité. Vous avez par exemple l'étoile en Python qui vous permet de multiplier une chaîne par un entier, et de l'utiliser aussi pour faire du produit, donc la multiplication. Il y a beaucoup de langages qui n'ont pas implémenté ce type d'opérateur, d'accord, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc vous serez obligé de coder une fonction qui va prendre en entrée la chaîne de caractères à multiplier, l'entier avec lequel on va multiplier la chaîne, et ensuite utiliser une boucle for qui aura comme condition d'arrêt cet entier, puis après, à chaque fois, vous allez imprimer et générer le résultat, puis après, bien sûr, vous allez gérer la possibilité que l'utilisateur ne saisisse rien sur
les inputs, les STDIN, la possibilité que l'utilisateur écrive ou un oui ou non pour continuer de multiplier ou arrêter, stopper le script, ou la possibilité que l'utilisateur saisisse quelque chose qui n'est pas pris en charge par le script, donc ni oui ni non. Et à ce moment-là, vous allez lui dire non, il faut impérativement écrire oui ou non. Donc ça, c'est un peu comme la calculatrice, hein. C'est un peu comme la... Est-ce que vous avez fait l'exercice de calculatrice ou de table de génération de table de multiplication en C, en TP, au premier semestre en Algo 1? Vous l'avez fait en première année, en Algo 1, l'année dernière? La table de multiplication est... Attendez, genre par exemple, l'utilisateur. Bonjour. Saisissez un entier, 5. Ok, je génère la table de multiplication de 5. Voulez voir? D'accord. Pas tous les groupes, pas toutes les sections. Vous avez aussi l'exercice de calculatrice. Donc, vous avez la fabrication de calculatrice, c'est à peu près le même principe. Vous donnez la main à l'utilisateur, il fait ses opérations, ensuite vous lui demandez s'il veut ajouter, etc. Donc là, c'est un très très bon type d'exercice à faire si vous êtes si vous aimez la programmation, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait faire. Voilà, donc si vous avez encore des questions, si vous avez encore des soucis, donc on reste en contact. Si je comprends bien, on vous a décalé. J'avais une dernière.